On est très tard, on est dans la nuit, lol. Mais je viens de finir l'avancée de mon DP, donc du coup... Et surtout, je croyais qu'on était samedi, donc je pensais avoir le temps demain de filmer mes avancées de la semaine, mais non, on est dimanche. Donc on va commencer par les toiles que j'ai terminées. Ouais. Alors j'ai un pyjama, je suis en pyjama Game Boy. C'est le monsieur qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Voilà. Et après, on vient de penser qu'on aurait pu se faire un swap... entre nous, mais du coup bah, ça sera remis pour une prochaine fois. Donc j'ai fini le cadre que Audrey avait offert, donc ça y est, elle a trouvé la place dans la chambre de la petite, je viens d'aller récupérer, je me suis dit pourvu que ça la réveille pas, mais non. Donc il est trop génial, vous verrez la fin en vidéo sur la chaîne. J'ai filmé hein, quand je l'ai fini. J'ai fini, alors c'est pas dans l'ordre. Alors, je vais pas vous montrer, je vais faire dans l'ordre que j'ai fini. Hop. Ça. Voilà, attendez, je fais comme ça. Tac. Tac. On s'organise. J'ai fini la toile de Valentin. Qui était avec le défi avec Angélique. Diamond Painting, je crois que c'est. Hein. C'est une chaîne YouTube. Je sais jamais c'est comment son nom, il faut que je regarde. Donc voilà, il est fini. Il est trop, trop beau. Ah, c'est un reflet. Donc derrière, il y avait un fond marin. Donc du coup, je l'ai laissé. J'ai trouvé que ça faisait super joli. Voilà. Donc il restera plus qu'à l'accrocher. On va le poser derrière moi. Hop. Après, j'ai fini. Alors celui-là, je l'ai fini il y a... 2 ou 3 jours. Et celui-là, je l'ai fini hier soir. Donc, samedi soir. Je voulais le finir avant la Saint-Valentin. C'est mon Diamond Painting Mystère qui venait de chez Hippo Home Store. Alors, il est très bien. Il aurait peut-être valu une taille au-dessus pour le niveau des mains. La main de Mario, encore, on la voit pas mal. Mais la main de... Peach là est pas tout à fait net, mais je trouve que il est déjà top et au niveau des personnages non, je pense que il est nickel. Donc Hippo Home Store, je vais vous faire un petit retour. Du coup, il me reste pas mal de pierres que j'avais ouvertes et il me reste même des sachets que je n'ai pas entamés. Donc et au niveau qualité et tout, moi je trouve que franchement il est top et il est pas très très cher chez lui. D'ailleurs, j'en ai recommandé un. Bah, j'en avais recommandé un. Ce que je vous ai présenté de chez Hippo Home Store, le Fort Boyard. Donc voilà. J'ai avancé bah, la toile de ma fille. Ma choupette, il ne reste plus que 2 cases. Donc j'attends avec impatience la vidéo de Sandrine demain. Donc le même jour que vous voyez la vidéo, le lundi. Lundi en fin d'après-midi, elle poste sa vidéo pour nous dire pour les 2 dernières cases comment on fait parce qu'elle a dit que ça serait pas comme les autres. Et franchement, en photo, là, en vidéo, il ressort trop trop bien, plus que quand moi je le vois. Oh, il est trop trop beau. Franchement, encore merci Rachel. Et du coup, il me reste donc plus que pour le mois de mars, il me reste plus que celle-là à finir. Qui sera fini cette semaine et il me reste le défi avec vous là, de la toile que vous avez choisie. Donc celle-là, ouais, celle-là c'est ce dessin-là, hein. C'est le Luigi comme ça là. Donc là j'ai fait aujourd'hui, c'est laquelle que je ne fais, c'est celle-là. Celle-là et là j'ai fait un petit peu avant de tourner la vidéo. J'ai avancé un petit peu pour demain. Et j'ai fait un tout petit peu de là de bleu. Donc voilà. Là, j'en suis que là. Donc du coup, je me disais justement qu'on est à mi-février. Et que bah, il aurait fallu avoir fait la moitié de la toile. La moitié de la toile, ça représente 6 cases. Donc ben là, même avec salade faite demain, je serai qu'à 4 cases. Donc je vais essayer franchement de finir pour fin mars. Mais après, j'aurai plus la toile de Maëline qui sera finie cette semaine. Donc, ouais, il restera... Ouais, logiquement, en faisant 1 case par jour, ça devrait aller.
C'est qu'elles sont longues, hein. C'est ce que je disais avec monsieur, là, pendant que lui, il joue à la console, moi, je faisais. C'est que rien que sur cette case-là, il y a 30 couleurs. C'est un DP qui a 30 couleurs, qui vient de chez UI China Store, voilà. Et rien que dans cette case-là, j'ai eu 28 couleurs. Je viens de sortir une pierre qui n'était pas bien posée. Il va falloir que je passe le rouleau. Rien que dans cette case-là, voilà, j'ai utilisé quasi une fois chaque couleur. Donc c'est super long. C'était super long. Mais voilà. Il est trop beau, il brille super bien. Bon, par contre, là, c'est pareil. Hein. UI China Store, c'est un peu fichu de ma tronche parce que quand je lui ai demandé la bonne taille, il m'a dit 40 par 30, ça sera pas mal. Et bah voilà, il y a des petits détails. Là, vous avez un truc, là, je sais même pas c'est quoi, là. Là, je sais même pas c'est quoi et j'arrive pas à retrouver la photo originale. Et là, sur la photo, là, on voit pas bien. On voit pas bien sur la photo, là. On a du mal à voir, donc je sais pas trop c'est quoi. C'est un petit dessin, voilà. Donc c'est sûr qu'il y a des endroits, c'est pareil, il y a des petits détails qui vont pas être bien marqués, mais bon, tant pis. Tant pis, il faut le faire. Et puis cette toile-là, du coup, comptera pour, pour le défi des abonnés. Et puis pour mon défi de Rachel Pandora, qui m'a mis au défi sur son groupe de faire une toile geek par mois. Donc j'ai déjà validé celle de janvier, puisque c'était ma Mario jaune. Sans le savoir, je l'avais fini en janvier, donc j'ai pu valider mon janvier. Et puis, ben voilà, pour février, je veux valider ben, celle-là, la toile des abonnés. Malgré que j'aurais pu faire valider la mystère, mais bon, voilà. Si vraiment je vois que je suis trop juste sur celle-là, je lui ferai valider l'autre. Mais de toute façon, il faut qu'elle s'est finie en mars. Et en mars, puisque je vous ai... qu'on discute. En mars, je vais faire le défi personnel de faire l'étoile de mes partenariats. Donc, finir celle de Hybroderie Diamant, obligatoire. Je sais pas du coup si je vais faire des défis avec d'autres groupes et d'autres chaînes, je sais pas. Parce que du coup, je voudrais finir la toile de Hybroderie Diamant. Je voudrais faire la toile de chez Adiamond Painting, la petite cliquante que j'ai reçue, puisque dans les trois qu'ils m'ont envoyé, il y avait que celle-là qui me plaisait, donc la faire. C'est une 30 par 30, donc ça va aller quand même assez vite. Et le dernier partenariat que j'ai eu, c'est NGC Happy. Le site, c'est Happy 013. Ou 13. Happy 13 ou 013, je sais plus. Attendez, je regarde pour pas vous dire de bêtises. Et ça, vous verrez l'ouverture dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai fait l'ouverture samedi matin. Et du coup... Ah, mais zut, il est où ton site? Ah, chiotte, ça c'est embêtant. Happy 013. Et le nom de la société, c'est NCG. CNG, Next Commerce Group. Voilà. Et vous verrez ça dans la vidéo. Et avec mon code promo, si vous allez zioter avant, vous tapez Happy 013. Vous venez me demander et je vous donnerai le lien. Et vous aurez avec mon nom, Flora. Alors je ne sais pas si c'est Flora 15 ou Flora tout court. Sur 3 articles, vous achetez 3 articles et vous aurez 15% de réduction. Donc voilà, donc lui aussi m'a envoyé une toile 40 par 60. J'ai la 50 par 50 de chez Hybroderie Diamant à finir. Et je voudrais faire la 30 par 30 de chez Adiamond Painting. Parce que, ben voilà, c'est quand même. J'ai eu quelques petits partenariats. J'ai déjà du mal à en avoir. Donc je me sens un peu redevable de leur faire quand même les toiles qu'ils m'ont envoyées. Et. De les présenter donc et montrer la qualité de leurs toiles et de leurs objets donc voilà donc mon défi personnel du mois de mars sera déjà de faire ces 3 toiles là à laquelle s'ajoutera une 4e toile puisque il me faudra ma toile geek parce que dans toutes ces toiles là il n'y aura pas de toile geek
Donc voilà. Et normalement, je voulais faire avec Angélique. Parce qu'Angélique, c'est sûr, au mois de mars, elle fait la toile mystère. Et ça, j'ai la toile mystère qu'il me faut en 40 par 50, je crois. Donc, et en principe, c'est bien Angélique, elle fait sur 2 mois, je crois, mars, avril. Donc, peut-être que je ferai celle-là en plus. Mais du coup, ça m'en fait 4 sur à faire, plus ma geek 5. Oh, ça va être un peu compliqué. Bon, la geek, j'ai des petites 10-15 qui traînent, je sais pas si. Je sais pas si ça passe dans le concours, lol. Mais voilà, donc. Voilà, on va avancer tranquillement. Il reste à peu près 15 jours. Ouais. Ouais, on a la moitié du mois. On est le 14. On est 14. Et il y a 28 jours. Donc voilà, il reste 14 jours très exactement. Donc 14 jours pour finir déjà celle-là. Et puis si j'ai le temps, je vais attaquer la broderie diamant déjà d'avance. Et puis j'ai dit avec monsieur que dès que je finissais la broderie diamant qui m'aura cassé les pieds, mon défi, j'avais le droit de m'acheter une toile. Parce que j'ai repéré une toile sur AliExpress que je veux. Et du coup, il me dit non, non, t'arrêtes de commander des toiles. Donc, je veux celle-là. Elle me plaît beaucoup. C'est de la faute de Wish. J'ai pas arrêté de voir la pub. Mais sur Wish, elle était grave plus chère. Là, en la prenant en 40 par 40 par 30. Ouais, 40 par 30, elle est qu'à même pas 7 euros. Mais j'espère qu'en 40 par 30, ça va bien rendre. D'ailleurs, donnez-moi votre avis. Vous pensez que 40 par 30, ça sera bon? Ou il faudrait un peu plus grand? J'ai pas envie de me faire une grande toile, hein, vous savez. Et puis, je trouvais que Disney, ça change. Et puis, franchement, j'ai eu le coup de cœur pour cette toile-là. Donc, pour convaincre monsieur que j'ai le droit de m'acheter une toile. Non, mais en plus, monsieur, là, il est là-dessus, il sait que moi, je suis pas embêtante. C'est que j'achète pas pour acheter, quoi. C'est rare que j'achète des toiles maintenant. Les dernières que j'ai commandées, c'était pour la collection de Antonin, ses toiles de Fort Boyard. Donc voilà. Et là, je me suis fait plaisir pour ce mois-ci, pour la Saint-Valentin. Je me suis commandé un cadeau de moi à moi. Je peux vous la montrer aussi. Ça sera blabla un petit peu aussi. Hein. Je me suis commandé, d'ailleurs, elle n'est pas encore partie. Elle n'est pas encore partie. Je me suis fait un petit cadeau. Je me suis commandé. Je pense que vous pensez que c'est improbable. Vous n'y auriez même pas pensé. Alors, je vous la trouve. Parce qu'il y a plusieurs modèles. C'est celle-là. Voilà. La coccinelle. Celle du film La coccinelle à Monte-Carlo. La coccinelle revient. La coccinelle, je sais plus tous les titres, mais voilà, celle du film. Je suis fan des voitures coccinelles. Ouais, je suis fan de ces voitures-là et je suis fan de cette série de voitures, de la série de feuilleton de film qui est sorti avec cette voiture-là. Et du coup, ça fait un petit bout de temps que c'est vrai qu'avec monsieur, je lui disais que j'aimerais bien l'acheter. Et Lorraine a fait une vidéo et a présenté un nouveau vendeur. Et son kit tool était génial. Il y a une raclette et tout, trop bien. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un petit tour sur son site et je vais aller regarder s'il n'y a pas une petite toile qui me ferait plaisir pour mon petit cadeau. Et puis pour avoir le kit tool, pour avoir la raclette. C'est une raclette, mais qui sert pour la boîte comme ça, là, pour mettre les trucs et tout. J'ai dit, ça serait trop bien. Et puis je suis tombée sur la toile de la coccinelle et j'ai dit tiens je me l'offre. Ça sera mon petit cadeau de moi à moi, voilà. Et oui, mais monsieur me dit il va falloir arrêter d'acheter, mais c'est vrai, non, je fais pas beaucoup d'achats au niveau des toiles. Je lui ai dit autrement, je rentre dans le pack de Lorraine. Il me dit c'est quoi le pack de Lorraine? Je lui ai dit, faut finir 3 toiles pour en acheter une. Il me dit non, non, ça ira. Non, ça ira. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Et puis,
Je vous laisse avec mon petit blabla que je vous ai fait. Voilà. Allez, bisous!